Bon bah je pense que je suis en ligne, je suis live, ça fait super longtemps. Vous voyez la MT-07 derrière moi. Je sais pas si vous me voyez, je vois pas de chat. Bon, je vais partir du principe que vous m'entendez. Donc je suis retour sur New York, j'ai passé quelques semaines en France à bricoler. Il y a plusieurs personnes qui étaient confuses sur ce que je faisais. J'ai fait du bricolage voiture en France. Et ça ne veut pas dire que j'ai arrêté la moto du tout. Je suis de retour sur New York. Je vais continuer sur la MT-07. Vous allez voir la vidéo sur le remontage de la MT-07 avec le montage du train avant de R6. Le sneak peek que vous pouvez voir, c'est la MT-07 que je suis en train de rouler en ce moment avec justement le train avant. Et puis j'ai fait plein de choses dessus, j'ai travaillé sur des produits pour la MT-07. Vous savez, il y a le T supérieur qui va dessus. J'ai aussi un montage pour la caméra 360 derrière. C'est un truc que j'ai fait. C'est tout taillé masse, pareil. Ok, je vais essayer de vous le montrer au moins. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ça. Moi, je l'utilise parce que c'est super rigide. Ce n'est pas le bâton, on va dire, le stick que vous avez d'origine avec les caméras 360. Moi j'ai une Insta 360, donc voilà, c'est du rigide. C'est pour ça que la moto elle a le stick derrière. Donc juste pour donner de nouvelles, pour vous dire un petit peu ce qui se passe, il y a plein de choses qui sont passées pour moi dans les derniers mois. Par exemple, j'ai été, on va dire, expulsé de mon appart où je faisais du bricolage. Ce qui n'a évidemment pas simplifié les choses parce que j'ai dû faire un déménagement, j'ai dû changer, trouver un autre endroit. Ce qui n'est pas facile parce que j'ai des requirements, des demandes qui sont différentes de la majorité des personnes. Moi, j'ai besoin d'un garage pour pouvoir continuer à faire les vidéos et je vais continuer à les faire. Donc, ça veut dire que je suis enfin réglé pour pouvoir bricoler, pour pouvoir faire de la moto. Donc, ceux qui sont intéressés, ceux qui posent des questions constamment à me dire « Elles sont où les vidéos ? Elles sont où les vidéos ? Elles sont où les vidéos ? On veut des vidéos ! Qu'est-ce que t'as arrêté ? La chaîne, elle est morte ?» Non, rien de tout ça. C'est simplement que j'ai eu des problèmes et j'ai essayé de les régler. Et je pense qu'ils sont réglés et que maintenant, je vais être en mesure de pouvoir vous faire des vidéos. Ça prend du temps, c'est tout. Donc là, je suis sur une route. Je viens d'atterrir, pour ceux qui arrivent, je viens d'atterrir de France. J'ai passé 3 semaines, j'ai bricolé énormément. Et j'ai fait du bricolage voiture. J'ai fait pas mal de posts sur YouTube pour vous parler de ça. Il y a des gens qui étaient confus à se dire « Oh, il a arrêté la moto ». Non, il n'a pas arrêté la moto. J'étais en France pour m'occuper de certaines de voitures. Une Golf 1 GTI et une Porsche 914. La Porsche 914, elle est finie, elle est en vente. La Golf 1 GTI, elle n'est pas finie. Et donc, il va falloir que je retourne en France pour pouvoir la finir. Et j'en profiterai pour faire autre chose. Et là, je suis sur une route sur New York. J'ai ressorti, je suis complètement décalé en termes de temps. Donc, il était plutôt tôt. Et voilà, ça, j'essaie de vous donner des nouvelles parce que je sais que j'ai pas mal de messages et c'est la raison pour laquelle je fais ce live. Vous voyez la MT-07 derrière moi. Vous allez voir la vidéo en août du remontage de la MT-07. J'ai évidemment envie de vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait plein de choses dessus, elle a plein de pièces dessus. Je vous la montre de loin là, on va dire. Mais voilà, elle est montée, elle a sa fourche de R6. Je ne l'ai pas connue moi avec la fourche d'origine MT-07, mais elle est... Il y a plein de motos qui passent ici. Elle est... Le comportement routier, génial. J'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de vous montrer les vidéos. Donc ça va arriver. Voilà. Je pense que là, pour ceux qui veulent, vous les avez les nouvelles. Je continue à faire du contenu moto. J'ai changé d'endroit. Vous allez bientôt voir l'endroit. J'ai toujours un petit endroit pour pouvoir faire du bricolage. J'ai eu pas mal de problèmes et c'est la raison pour laquelle les vidéos, bah, vous les avez pas eues. J'ai toujours un problème de monteur. Si vous connaissez un monteur spécialisé YouTube, j'ai pas besoin d'un monteur normal. Je veux un monteur spécialisé YouTube. Parlez-lui de moi. Dites-lui que j'existe. Qui se mettent en contact avec moi, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur mon adresse email contact@builders.fr. S'il veut éditer des vidéos YouTube, donc il sait faire de l'hypernarration, vous me le dites. En tout cas, je suis très content de vous voir, vous, dans le chat. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Je sais que vous voulez les vidéos, je les vois, les messages. Ça arrive tout le temps. Dès que je poste quelque chose, c'est « Elles ont les vidéos, on s'en fout des photos ». Donc, les posts sur YouTube, c'était simplement pour vous donner des nouvelles. Là, le live, pour vous dire que la MT-07, elle est bien vivante, elle est remontée. Et moi, tout va bien. Et vous allez voir les vidéos. Donc, je vous dis à plus tard. Je vous dis évidemment de continuer à bricoler. Et attendez la vidéo de la MT-07 en août. Voilà. Ciao. Et je crois que je sais même plus exit un live. Bon, je crois que c'est ici. Oui, ok. Allez les gars, continuez à bricoler. À plus tard.